Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Pokabou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 23 sur ce let's play de Pokémon version Argent Soul Silver. Et donc la dernière fois on s'était laissé à Ebenel après avoir battu Sandra la championne d'arène. Donc la team n'a pas bougé, à part que je suis allé chercher le mini Draco et que donc malheureusement Roucarnage nous a quitté hein. De toute façon je comptais faire ça depuis le début hein. Donc aujourd'hui les gars on va s'occuper, on va faire vol à Bourgéon. Et on va aller voir le professeur qui voulait nous voir la dernière fois, il nous avait appelé. Donc alors ce qu'il veut de nous et voilà hein. Allez, allez, on va rentrer dans le laboratoire. Ah Pokabu, il paraît que tu as déjà les 8 badges, c'est incroyable. Allez le professeur t'attend. Bonjour Pokabou, tu me surprends chaque fois davantage. Et mes recherches avancent énormément grâce à toi. Voilà pour toi, tu le mérites vraiment. Master Ball les gars, boum. Allez, c'est une Master Ball. Elle attrape n'importe quel Pokémon à tous les coups. On ne la donne qu'aux grands chercheurs Pokémon. Mais je suis sûr que tu l'utiliseras mieux que moi. Pokabou, je te l'offre. Au fait, de belles femmes vêtues de kimono sont venues en file indienne au laboratoire et elles te cherchaient. Pokabou, j'ai entendu la rumeur. Tu aurais sauvé ces femmes en kimono. Wow. Tu aides vraiment tout le monde. Je suis vraiment fier d'être ton ami. Allez, donc on va aller à Rosalia. On va s'occuper. On va aller voir les meufs là. Elles t'attendent à la salle de danse de Rosalia. Ont-elles dit. Donc là, je sens. J'ai un mauvais souvenir de ce moment là. Je crois que ça va être un petit peu galère. Sachant que ma team est pas ouf. Parce que j'ai. Ce qui m'énerve en fait, il n'y a pas vraiment de Pokémon, il n'y a pas de bon Pokémon sauvage pour XP. C'est dommage. Par exemple, je me suis trompé de ville. Dans Pokémon Soleil et Lune, les Pokémon, les niveaux des Pokémon, ils sont plutôt élevés. Donc tu peux XP sur les Pokémon sauvages assez facilement. Alors que là, il y a 20 levels de différence, tu peux pas XP. Hein. Donc c'est un peu relou. Donc on va commencer. Bon, on a quoi? On prend des potions quand même. Super potion. Ouais, c'est bon, on est bien. Boum. Pourquoi j'arrive pas à gagner? Ce sont que des femmes en kimono pourtant. T'as vu le Pokabu? J'espère que ça t'a plu de me voir être ridiculisé. Battre 5 pauvres filles en kimono, ça paraissait si facile pourtant. Elles m'ont retourné. Tu l'as pour les combats toi aussi. Tu réjoues pas trop vite parce que t'as flanqué sa racle à la Team Rocket. Excusez-moi, le téléphone sonne. Excusez-moi. Flanquer sa racle à la Rocket, c'est 5 nanas. Elles sont vraiment hyper fortes. Allez, vas-y. Essaye. Je ne retourne pas dedans. Je ne peux pas te voir gagner. Ouais. Bienvenue à toi, je suis Tamao. Nos chemins se sont croisés à Mauville. Pour faire venir jusqu'à nous Lugia, il faut une personne au cœur pur capable de comprendre les Pokémon. Nous avions demandé à Monsieur Pokémon de confier l'œuf mystère à la personne qu'il rencontrerait et qui satisferait ses conditions. Et grâce à lui et par l'intermédiaire du professeur Orme, te voici, propriétaire de cet œuf. Or, la pureté du cœur ne suffit pas. Elle succombe à la force des Pokémon. Nous allons ici et maintenant mettre à l'épreuve tes talents. L'Ordalie peut-elle commencer? Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Allez, montre-nous la force du lien qui t'unit à ton équipe de Pokémon. Allez les gars, c'est parti. Je crois qu'on doit se faire les 5 à la suite. Putain, ça me casse les couilles. Le téléphone sonne encore. Attendez, le truc, c'est que je vais faire une petite ellipse. A tout à l'heure. Voir les mecs, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc on commence avec un Octali. Est-ce qu'on a un type combat? Est-ce qu'on... Ouais, on n'a pas... Ouais, mais... On n'a pas de type combat dans notre équipe, les mecs. Tranquille. On reste sur Aqualie. On va faire un petit surf. Un petit surf, ça passe tranquille. Je lui fais pas énormément de dégâts. Il me fait honte folie pour me rendre confus. Je pense qu'on va aller switch sur.
Allez, on va switch sur Typhlosion, les mecs. Par contre, j'aurais dû filer le multi-XP à Mini-Draco. C'est une petite erreur que j'ai faite, je penserai à le faire après. Mais écoutez, c'est pas très grave. Allez, donc il bully lave, hein, bien évidemment. Je pense qu'on peut lui faire quand même pas mal de dégâts. J'ai rien dit, laisse tomber. Ce Noctali ne prend que dalle de damage. Allez, on va refaire un Ibulilave en espérant que... Eh ben non, tu vois, je fais en espérant qu'il ne se blesse pas dans sa convulsion. Eh ben en fait, si. Ouais, en fait, allez, ferme ta gueule. Allez, Ibulilave. On peut presque le finir, je pense. Ah, voilà, c'est bon, les gars. Donc, un de moins. Ça fait premier dresseur vaincu. Vous avez battu Kimono Tamao. Je n'ai... Oh, j'ai pas le temps de lire, hein, ça me saoule. Quelle force tu as là? Tu m'avais secouru dans le bois au chêne. Je suis Umeko, qui sauve ses gars. Tu as défait la Team Rocket, puis Amolos, puis aidé le malheureux Fargas. Je l'ai vu de mes yeux. Maintenant, voyons de quoi tu es capable en combat. Allez, c'est parti. Mentally. Donc on part sur du sur du morsure, hein. Psycho, j'espère que ça fait pas trop mal, parce que Psycho c'est quand même... Oh, ça va. Non ça va pas. Ça va. Le coup critique, mais oh là là. On switch. On passe sur capacité. Ouais, on passe sur sans faire. Mais non, mais je suis con, non, il est type poison, il va se prendre de psycho, il va se faire one shot. Mais non, mais s'il vous plaît, quelle erreur. Mais quel débutant je suis. Bon, moi je dis, on part sur un pharamp pour soigner. Mais tu sais quoi, au pire, on fait Kajiklar. Je pense que je vais regretter. Il va encore me one shot. Oh, quand même pas. Ok, j'éclaire. Donc là, je pense qu'on va partir sur une petite hyper potion sur. Sur le. Pourquoi? Ah, synchro. Oh putain, le bâtard. On part sur une hyper potion sur Aquali parce que c'est. En fait, notre réussite. Sur ces les 5 dresseuses, ça va dépendre de notre Aquali en fait. Bon, je pense qu'à un moment elle va balancer un Aquali, mais va falloir trouver un truc pour le contrer, mais on trouvera. Sans Aquali contre Aquali. Pourquoi j'ai fait surf? J'aurais pu faire morsure, hein. Ouais, je fais quand même très très mal avec surf, hein. Allez. Donc Aquali monte au niveau 42. Heureusement qu'il y a Aquali, hein. Franchement, heureusement qu'il y a Aquali. Quelle exceptionnelle force tu détiens. Bah oui. Bon, plus que 3. Allez, c'est parti. Impressionnant. Tu as chassé la malfaisante Team Rocket de ces lieux. Nous t'en remercions encore. Mais crois-tu frêle et sans défense? Sache qu'une femme avisée ne dévoile jamais tous ses talents. Je m'appelle Satsuki. Permets-moi de juger de tes talents au combat. Mais je me souviens qu'il y en a une qui a un Pyroli, donc le Pyroli ça va être one shot. Allez, boum, c'est elle. Allez, one shot. Normalement, je le one shot. Le petit surf et boum, c'est fini normalement. Je pense que c'est fini. Voilà, et ça passe. Ça passe, les mecs. Putain, ça donne vraiment. Ouais, mais j'ai le multi-XP aussi. C'est vrai que ça joue quand même. Mais ça donne vraiment beaucoup d'XP. Je pense que les derniers, c'est Voltali et Aquali. Quel superbe combat. Tu m'as délivré de la glace où j'étais prise. Je suis Sakura. Sakura, Runo, ça va? Qui glisse avec grâce sur la glace. Tu as passé avec succès l'épreuve de l'ancien dans l'entrée des dragons. J'ai tout entendu depuis l'extérieur du temple. Il est temps de juger par moi-même de ta valeur au combat. Voltali. Donc là, le Voltali.
On part sur Nidoking. Ce combat sol, je pense que Nidoking a l'avantage. Voilà, ça n'affecte pas Nidoking. Par contre, ce qui est dommage... Ah, il a siphon. Ce qui est dommage, c'est que je lui ai pas encore appris de d'attaque de type sol. Et un petit séisme sur Nidoking, ce serait vraiment trop pété. Non, par contre, là, là va falloir le calmer parce que s'il commence à monter en esquive, c'est, ça va être trop chaud. Putain, mais pourquoi tu rates, toi, abruti? Mais il va faire que reflet. Non, mais non. S'il vous plaît. Non, non. Pas le sacrilège du... Non, non, mais s'il vous plaît. Non, non, mais allez. Voilà, on le touche. Au final, on lui met que dalle de dégâts. Génial. Putain, mais arrête de faire reflet, putain. Stop. Et en plus, mais ça me saoule, les mecs. Non, mais vous comprenez ma frustration, là. Double pied, voilà. En plus, il esquive même pas, hein. C'est Nidoking rate son attaque. C'est pas Voltali esquive l'attaque. C'est, s'il y a bien marqué, Nidoking rate son attaque. Voilà. C'est nul. Mais arrête de rater ton attaque, putain. Mais c'est pas possible. Tu vois, le gars est énervé quand même. Allez, allez, allez. Bon, excusez-moi pour le mode accéléré. Parce que là, franchement, ça allait durer 3 heures. Hein, donc... Allez, je crois que c'est la dernière. Hein. Je suis la dernière. Lors de notre rencontre dans le doublon tunnel, tu m'as fait forte impression. Je suis Komomo, qui virevolte même sous terre. Tu as su repousser avec brio les menées diaboliques de la Team Rocket à la tour radio. Tu m'as littéralement transporté par la grandeur de tes actions. Cette fois, montre-moi ta force en face. Prépare-toi à combattre. J'essaie de faire le mieux possible pour la voix. Hein. Moi, je suis imitateur. Allez, Aquali. Donc Aquali niveau 38, je suis niveau 42, donc je pense que ça devrait passer. Ok, il me fait quoi? Il me fait vive attaque, ok, tranquille. Morsure. Ah, par contre là les dégâts ça va pas le faire, hein. Morsure. Ok, d'accord. Donc les gars, c'est qu'on va partir sur soin statut, rappel. Faramp. Je pense qu'on va peut-être ramener Faramp. Ouais, ouais, on ramène Faramp. Donc on va mettre une super potion sur Faramp. Ouais. Comme ça, voilà, il est à peu près full vie. Et je pense que ça peut le faire. Si on fait Pokémon, tac, Faramp. Espérons qu'il puisse lui mettre quelques dégâts quand même, même si je pense qu'il y arrive, qu'il aura du mal vu qu'il y a quand même eu un écart de level assez important. Donc bon, ça va les dégâts, franchement. On va partir sur du point éclair. Surf, putain, mais non. J'ai crevé. 2 PV. Putain. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est le coup critique quand il fallait. Parfait. C'est parfait. Oh, c'est magique. C'est battu qui... Quel prodigieuse... Putain, mais j'ai pas le temps de lire, là. Aucune erreur n'est possible. Tu es digne de posséder cet objet. Prends-le. Glace tempête. Voilà. Maîtresse, l'ombre d'un gigantesque Pokémon plane sur les tourbilles. Se pourrait-il que, jeune Pokémon, nous partons sans plus attendre pour les tourbilles. Donc le truc, les gens, c'est que je pense que tourbille, on ira peut-être au prochain épisode. Parce que là, je vais pas arrêter l'épisode de suite parce que là, ça fait quand même un épisode plutôt court. Mais je vais voir ce qu'on peut faire de... sympathique, hein. On va regarder déjà pour flash parce que je sais qu'il faut flash parce que sinon tu vois que dalle. Ouais. Donc
Flash. Putain, mais non. Flash, c'est ici. Flash, elle est où, Flash? Flash. Mais Flash, elle est tellement... Dans ce genre de jeu, il devrait la mettre dans... Ils auraient dû la mettre en CS. Donc... Les gens, on va regarder vite fait. Oh, 40. Je pense qu'on va mettre... On va mettre Nidoking au PC pour l'instant. Et on va prendre... on va prendre Flash à... Je pense que... Roux Carnage, je pense qu'il peut la prendre. Enfin, je sais pas en fait. On va regarder ça de suite. Tac. Non mais... Putain mais non, non, non. F. Putain mais... Tac. Non, sac. Tu vois, on regarde vite fait si Roux Carnage peut la prendre. Et ben Roux Carnage il peut pas en fait. Pour l'instant il y a que... Mais ça m'embêterait de la prendre à Faramp parce que... sachant que c'est une CT et sachant que Faramp je compte l'utiliser... l'utiliser quoi. Bien l'utiliser, je pense que... C'est pas la solution quoi. Parce que ça me ferait perdre la CT quoi. Ça ferait... ouais j'utilise pour le Pokémon légendaire, après je m'en fous un petit peu quoi. Donc lequel dans tous ces Pokémon peut apprendre Flash? Allez. Putain mais pas Pokémon. sac, Flash. S'il vous plaît faites qu'un de ces Pokémon puisse apprendre Flash. Ah Togepi. Voilà. Togepi apprend Flash. Voilà tu me saoules pas. On prend Togepi. Allez t'es placé Pokémon. Donc du coup là on prend. Donc Aqualis c'est bon. Donc Léviator. On prend Typhlosion. Donc Togepi on le garde. On enlève Rattata et on prend Nostanfer et Nidoking. Pour l'instant il reste là parce que pour l'instant il m'est inutile vu que il a pas séisme. Mais mon Nidoking là il est un petit peu nul quoi. Donc pour l'instant il reste là hein. Y a pas séisme là dedans. Non il y a pas séisme. Faut vraiment que j'arrive à trouver séisme d'une manière ou d'une autre. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre l'objet de Aquali et le donner à Midraco. Tac. Donc, multi-expérience. Tac. Bon, vous savez ce qu'on va faire, vu qu'on a un petit peu de temps quand même. On va commencer à se rendre au tourbile. Je sais plus c'est quelle île qu'il faut prendre. C'est une des quatre. Je sais plus c'est laquelle des quatre. Enfin non, on va juste se rendre à Holyville. Holyville, histoire de... D'être prêt. Voilà. On va se rendre à Holyville. Et je pense que c'est bon, hein. Eh bien, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si elle t'a plu. Et à laisser un petit commentaire. Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, sur ce, c'était Pokabou. Et ciao, ciao.